Good morning, Aleida, et ce sera aujourd'hui le Nishmat David Ben Fortuna Mazal Fritna et Lucien Batrina. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous et je me serai Nedarim, Perek Yud Alef, Mishnah Vav. Amra Konam Te'enim va anavim Eilu She'eni To'emet. Ki yem la Te'enim, Kulo Kayam. Hefer la Te'enim, Eino Mufav, Ad She'yafer, Af la anavim. Amra konam te'enim she'eni to'emet va anavim she'eni to'emet arelu shnei nedarim. Pour rappel, d'abord, ça fait déjà deux chapitres qu'on tire le sujet essentiel, le droit du mari d'annuler les nedarim de sa femme ou même de maintenir les nedarim de sa femme. Je m'explique de nouveau. Lorsqu'une femme prononce un neder, une femme mariée, elle prononce un neder qui a deux possibilités. Là, en l'occurrence, on va parler d'un neder dans lequel il y a une souffrance de la femme. En l'occurrence, ne pas manger quelque chose de bon, c'est une souffrance. Alors la Torah lui donnait le droit au mari de s'interposer et de dire « j'annule ton néder ». Il est méfère le néder, il annule le néder, d'accord? Aussi, il faut savoir, il y a deux possibilités, il y a trois possibilités. Lorsqu'une femme, j'entends ma femme aujourd'hui qu'elle s'interdit de boire du coca aujourd'hui. J'ai trois possibilités. Soit j'annule le néder. Soit je maintiens le néder, ou soit je dis rien, et la journée passe, et dans ce cas-là, passivement, sans avoir été actif, quoi, eh bien son néder va entrer en vigueur. Parce que je l'ai pas annulé. Je peux soit maintenir, je lui mets kayem, ce que je lui dis, tu sais quoi ton néder, c'est super, vas-y, souffre un petit peu, arrête de grossir avec ton cover. Et hop, j'ai maintenu le néder. Là maintenant, une fois que j'ai maintenu le néder, je peux plus annuler le néder, parce que je me suis enfermé. Je peux annuler le néder. Et là, on va s'intéresser maintenant, dans notre Mishnah, à un mari qui va maintenir partiellement ou annuler partiellement le néder de sa femme. Ça veut dire que sa femme, dans un même néder, dans un même élan, dans une même phrase, elle va s'interdire plusieurs éléments qui vont être catégorisés comme un seul néder, à la différence de la femme de la Mishnah, on expliquera ensuite. Dans une phrase, je dis « je ne vais plus manger des pâtes et du et des pâtes et de la sauce tomate. » Elle s'est interdit les pâtes et la sauce tomate. Ouais. Tout ça, c'est dans un seul élément. Ça implique ne pas manger les pâtes toutes seules. Ça implique ne pas prendre la sauce tomate toute seule. Ça implique ne pas prendre les deux en même temps aussi. Maintenant, est-ce que si elle va, le mari va maintenir une partie du néder ou annuler le partie du néder, est-ce que ça va influencer sur l'autre moitié ou bien ça va même être nul et non avenu ce qu'il a fait? En l'occurrence, on a comme ça. Amra konam te'enim vanavim elu sheni to'emet. La femme, elle a dit, je rends korban. D'accord, konam, vous êtes habitué au mot. Konam, ça veut dire, je rends cet objet-là comme un korban. Te'enim vanavim elu, ces figues et ce raisin, sheni to'emet, que je ne goûte pas du tout. Donc elle a inclus tout ça dans une même phrase, dans un seul néder, une seule formulation. Elle a inclus dans ces deux éléments, les figues et les raisins. D'accord? C'est-à-dire même pas une seule figue, même pas un seul raisin, ni les deux en même temps, ni... Elle les inclut en une seule phrase. Et le mari, elle lui dit, ah, pour l'histoire des figues, je suis d'accord avec elle. Vraiment, elle en mange vraiment trop, c'est pas bon. Mais les raisins, hein, je veux l'annuler, en fait. Imaginez, c'est la scène. Est-ce qu'il peut, d'abord, s'il maintient le néder partiellement, est-ce que le néder, il est maintenu pour ce qu'il a validé? Ou est-ce que c'est même validé pour tout, si déjà? Ou pour rien du tout, parce qu'il a failli tout faire? Et inversement, si elle annule la partie, mais la moitié, d'accord? Donc la Mishnah me dit comme ça, « Qui aime la te'enim, kullo kayam. » S'il a maintenu même partiellement une partie du néder, tout le néder est validé. Imaginez qu'il s'est dit, « Bon, tu sais quoi? Pour les figues, je suis d'accord. Les raisins, j'ai encore jusqu'à la shkia, là, j'ai encore 3 heures devant moi, je vais réfléchir. Déjà les figues, je t'annule pas ton néder, je le maintiens. Arrête d'en manger. » Il a déjà maintenu les figues. Ben, la Mishnah vient me dire, « Ben, tu sais quoi? Qui aime la ténim s'il a maintenu le néder même partiellement pour la moitié? Eh bien, Kulokayam, il est entièrement maintenu. À la différence du cas de Hefer la ténim, s'il a annulé pour les figues, il me dit non, les figues, je ne te permets pas de les interdire, parce que c'est bon pour toi, j'annule ton néder des figues. Mais il n'a pas parlé des raisins. La Mishnah me dit, Enomufar, le néder n'est pas annulé, ad sheyafer, aflanavim, jusqu'à qu'il va annuler, même pour les raisins. Phrase un petit peu floue, que je ne sais pas comment présenter le corps en fait. On va dire comme ça, il y a une phrase du Barthénois pas claire,
que le Tosfot Yom Tov explique d'une certaine manière, et en fait, j'ai vu ensuite qu'il y a le Menechet Shlomo qui l'explique, qui en doute, qu'est-ce que ça veut dire. On va d'abord commencer avec la partie plus simple, c'est le fait de maintenir partiellement. Là, la Torah l'a dit, Echol Neder, je ne sais plus comment c'est dit, Isha Yekimenu ve Isha Yeferenu, en tout cas c'est la phrase qu'ils disent dans Parashat Matot, Isha Yekimenu ve Isha Yeferenu. Le mari pourra le maintenir, ou le mari pourra l'annuler. Isha Yekimenu ve Isha Yeferenu. Yekimenu, on fait un jeu de mots, Yekimenu, Yekim Mimenu. Comme ça, c'est ce qui fait un Nakama. Yekimenu, regardez le même là de Yakim, l'Yakim, maintenir, et Mimenu, de lui. Il fait Yakimenu comme si qu'il y a en fait le même, on le double, on le met une fois pour le mot Yakim, une fois pour le mot Menu. Yakim, Mimenu. Ça veut dire que dès que le mari l'a maintenu même un peu de lui, le Neder il est maintenu. Il déduit ça du Pasuk. Isha Yekimenu. En l'occurrence, quand la Torah continue, ensuite elle me dit Isha Yeferenu. Alors, on ne peut pas faire ce jeu de mots parce qu'il n'y a pas le même qui va me faire que Yeferenu. Il n'y a pas Yeferenu. Donc, dans ce cas-là, il l'annulera partiellement. Ça veut dire qu'en fait, là, si on va selon ce code de lecture, alors il s'avère que la Torah elle a dit, tu sais quoi, maintenir, même maintenir un petit peu, c'est considéré comme le maintenir entièrement. Isha Yekimenu, Yekim Mimenu, Isra Kayam. Par contre, Isha Yeferenu. Alors là, on n'a plus le jeu de mots, on ne va pas lui dire si tu l'as annulé partiellement ou il est entièrement annulé, pas du tout. La question maintenant qu'on aura, c'est est-ce que malgré tout, pour la petite partie qu'il a annulée, est-ce que ce sera quand même annulé et on attendra son avis pour la suite. Soit, elle s'interdit les figues et les raisins. Moi je dis, les figues, je ne te permets pas de faire un éder sur une figue, tu manges des figues, c'est bon pour ton transit. Je t'annule ton éder. Je n'ai pas encore parlé pour le raisin, on verra encore, j'ai encore 3 heures devant moi, finalement je dis rien, la chkia elle arrive. Est-ce qu'elle s'est quand même interdit les raisins? Sur ça, il y a une phrase du Barthénora qui nous dit, le début du Barthénora, « Eno mufarachi yafer kulo » Le néder n'est pas annulé jusqu'à qu'il l'annule entièrement. Tout ça, tu me dois, mais précise attention. Il n'est pas annulé entièrement jusqu'à qu'il va l'annuler entièrement, mais il est quand même annulé. Il est quand même annulé partiellement pour ce qu'elle a été annulé. Selon le Barthénora, en fait, selon le Tosfot Yom Tov, tel qu'il explique, attention, c'est pas juste le Tosfot Yom Tov, c'est selon le RAN. Alors, il me dit, le RAN, il pense qu'en fait, il a quand même réussi à l'annuler partiellement, mais il n'a pas annulé entièrement. C'est-à-dire, à la différence de maintenir, selon Tanakama, selon l'avis de la Mishnah pour le moment, maintenir partiellement, ça implique que dès que tu as dit « j'atteste partiellement », j'atteste pour tout. Mais j'annule partiellement, ce que tu as annulé, tu as annulé, ce que tu n'as pas annulé, on verra ce qui sortira. Si la journée passe et tu annules pas, et ben ce sera maintenu pour la deuxième partie. Entre parenthèses, qu'est-ce qui se passera s'il va maintenir la deuxième partie maintenant, puisqu'il a déjà annulé la première partie? Je pense que logiquement c'est plus précisé, mais j'imagine qu'il va quand même annuler, il aura réussi à maintenir la deuxième partie aussi. Mais de toute façon, ce qu'il a déjà annulé, il l'a déjà annulé. C'est juste, on a juste dit que si tu commences à maintenir partiellement, tu es obligé de tout maintenir. Il y a le Menechet Shlomo, il propose une deuxième lecture, qui prouve que dans la Tosefta, c'est pas comme ça, que selon l'avis de la Mishnah, au même titre que si tu... que tout fonctionne en même temps. Soit, si la Torah l'a dit, tu peux maintenir partiellement, et la Torah l'a dit, mais elle n'a rien dit sur l'annulation, alors l'annulation partielle ne sera pas du tout une annulation. Ouais? Et donc dans ce cas-là, le Néder, il est entièrement en vigueur pour le moment. Ça signifie que, pour le moment, je l'ai annulé pour les figues, j'ai rien dit pour les raisins. La nuit arrive, le Néder sera maintenu pour le raisin, il sera aussi maintenu pour les figues. Ça, c'est l'avis du Maître Shlomo, le deuxième. Il propose, il a un doute, comment dire. Selon le RAN, en fait, en deux mots, donc je récapitule. Selon le... D'abord, si je maintiens partiellement, tout est maintenu. Dès que j'ai dit, ouais, les figues, ça y est, on mange trop. Je maintiens, même les raisins, je ne peux plus l'annuler. Mais si j'ai dit, je t'annule les figues, alors là, on a une marloquette. Est-ce que, pour le moment, c'est quoi, t'annules les figues? T'annules les figues, mais... Et les raisins, tu n'en as pas parlé. T'annules les figues, mais pour le moment, les raisins, tu ne les as pas annulés. Ou bien, pour le moment, tu n'as rien annulé. D'accord, il y a deux avis. Puis on va partir maintenant. Tout ce qu'on a parlé, ce n'est pas retenu pour la halakha. Parce que pour la halakha, la Gemara, elle nous dit qu'en fait, toute cette Mishnah, elle va selon un avis unique, tandis que Chachamim y pense que, et bon, je ne crois pas que c'est précisé qui est cet avis, en l'occurrence, d'ailleurs. Et en tout cas, la Torah nous dit, et la Chachamim y pense que
Pour ce que tu as annulé ou maintenu, tu maintiens ou tu annules, même partiellement, on ne fait pas le jeu de mots avec Yakimenu. Donc ce que tu as maintenu, tu as maintenu, ce que tu as annulé, tu n'as rien dit, tu n'as rien dit. Il y a aucune. La moitié du Néder n'implique pas un statut, un changement de statut pour l'autre. Donc c'est retenu pour la halakha finalement, c'est beaucoup plus simple. Selon Chachamim, ce que tu as validé, c'est validé, ce que tu as annulé, c'est annulé, ce que tu n'as rien dit, tu n'as rien dit. Donc elle a dit les figues et les dates, tu as dit que tu maintiens les figues c'est maintenu, les raisins, on attendra. Tu as dit que tu annules les figues c'est annulé, les raisins, on attendra de nouveau, tu décides de maintenir, tu décides d'annuler, tu fais ce que tu veux. Et dès que tu as parlé, tu as fixé, même partiellement, ok? Précision supra-importante. Il ressort que pour la halakha, au moins d'après Chachamim, et même peut-être d'après l'avis de la Mishnah aussi, que tu peux annuler partiellement un Neder. Or, si vous vous souvenez, on a appris que Rabbi Akiva, qui nous a parlé longuement d'histoire, vous vous rappelez d'histoire avec. J'ai entendu toutes sortes de plein de personnes. Tout cela, vous venez plus manger chez moi. Mais d'un coup, je vois qu'il y a mon père dans le lot, je dis, ah non, s'il y a mon père. Alors j'annule le Neder. Et Neder, je savais, Batal Kulo, on avait dit, si le Neder, je l'annule même partiellement, tout est annulé, parce que j'ai dit une seule phrase, et cette même phrase, je l'ai annulée. Et là, on me dit le contraire, on me dit que la femme, elle interdit les figues et les raisins. T'annules les raisins, c'est maintenu pour les figues. Ou t'annules les figues, c'est maintenu pour le raisin. Quelle est la différence? Pourquoi pour la. Ça se contredit. On a dit plus haut que lorsqu'on annule un Neder. Alors tu ne peux pas l'annuler partiellement. Dès que tu l'annules même partiellement, tout s'annule. Et là tu me dis tu peux annuler partiellement. Et il faut bien mettre le doigt dessus. Le Barthénois, il nous explique ça de nouveau. La différence fondamentale entre le mari qui annule les nédarim de sa femme et le chacham qui annule les nédarim de la femme, ou de n'importe qui. Lorsque le mari, il annule les nédarim, et j'insiste de nouveau, le mari, il n'est pas matir un néder, il aimait faire un néder. C'est pas qu'il va dénouer le néder. C'est qu'il va dire, ce que tu l'as dit, je l'annule. Je l'arrête, je l'interromps. Le mari il a le droit d'interrompre le néder de sa femme. Pire que ça, il me semble que si la femme, elle a fait le néder à 8 h du matin, ne pas boire de coca, et elle boit du coca à 9 h du matin, et le mari, il annule le néder à 10 h du matin, elle sera frappée, la femme, parce qu'elle a transgressé le néder à 9 h du matin. Le mari, il n'a jamais déraciné un néder, il a juste interrompu le néder. C'est donc le néder, il a commencé à avoir une emprise, il s'est arrêté à 10 h, tu as transgressé à 9 h, et ben. Elle mange des coups, la pauvre. D'accord? Alors que le chacham, lorsqu'on va voir un chacham, la gemara nous raconte dans Shvuot, même pire que ça, j'ai transgressé mon éder, je suis en train de me faire maintenant, je suis presque sur le point de me faire frapper au beddin parce que j'ai transgressé l'interdit d'Arim. Et là, je trouve un chacham, je lui dis, tu sais, vraiment, je me suis interdit le coca, mais je réalise que c'est vraiment une bêtise que j'ai fait, j'adore le coca, comment j'ai pu me l'interdire? Oh, je sais pas, j'annule le néder, ben, finalement, je serais même pas frappé au beddin, vous vous rendez compte, parce que j'annule le néder. Le chacham, il est matir le néder, le chacham, la Torah l'a donné la force. Que de trouver une circonstance atténuante pour dire que ce que tu as dit, tu l'as pas dit avec ta tête. Tu l'as dit alors que tu étais dans la lune. Tu as mal pris en considération les éléments pour pouvoir prononcer ton éder. Ton éder, on te l'annule, on le déracine. De ce fait, on a la règle précise avec l'annulation du chacham, que si le chacham il annule le néder partiellement, néder shebat la mixato, bat la kulo, parce que maintenant, dès que tu as annulé ton éder, même partiellement, il s'avère que ce que tu as parlé, tu as parlé quand tu étais dans la lune. Tu étais sous quand tu as parlé. Tu n'étais pas conscient des données. Tu as parlé pour rien. Ben finalement, on t'a annulé tout le néder. Ça, c'est lorsque le chacham, il est matir le néder. Mais lorsque c'est le mari qui aimait faire le néder qui interrompt, alors là, on a la possibilité de dire, écoute-moi, à 9 h du matin, 8 h du matin, tu t'interdis les dattes et les figues. À 11 h, j'ai arrêté les figues et tu continues avec tes dattes ou le raisin. D'accord? C'est clair? Fin de la Mishnah, maintenant c'est très simple. Jusqu'à maintenant, on a parlé de, selon l'avis de la Mishnah, que la femme elle s'est interdit deux éléments. Et quelle est l'influence d'un élément sur l'autre? Si jamais j'ai maintenu, ou si j'ai annulé même peut-être, selon la deuxième lecture du Melchat Shlomo. Ça c'est l'avis de la Mishnah. On revient maintenant sur l'avis de la Mishnah qui n'est pas retenu pour l'achat, mais c'est pas grave, on va quand même étudier. Donc, on va prendre le cas simple. Le mari l'a maintenu pour les figues, alors le néder sera aussi maintenu pour les raisins, parce qu'on a dit Yakimenu, même Yakimimenu, dès qu'il va maintenir, même partiellement, c'est considéré comme une akama, et ça maintient pour tout. Ok, on encaisse. Maintenant, à partir de quand on considère qu'on prononce deux nédarim? Est-ce que je suis obligé de dire, alors si maintenant on a envie de faire, la femme elle veut prononcer deux nédarim, comme ça le mari,
il décidera de maintenir ce qu'il veut maintenir et d'annuler ce qu'il veut maintenir. Ce qu'il veut annuler. De quelle manière? Alors, bien évidemment, elle peut dire d'abord de Nedarim. Je m'interdis de manger des figues aujourd'hui. Je m'interdis de manger des figues pendant une semaine. Je m'interdis de manger des raisins pendant une semaine. Le mari, il entend ça, il va dire, tu sais quoi, les figues, j'annule. Les raisins, je réfléchirai. Là, pour le moment, hein, d'après tous les avis, plutôt, excuse-moi, je reprends. Les figues, je le maintiens. Les raisins, je vais réfléchir. Là, elle a prononcé deux nédarim, la femme. Il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre. Le néder qu'il a maintenu, il est maintenu. Le néder qu'il ne s'est pas encore prononcé, il ne s'est pas encore prononcé, il pourra l'annuler s'il veut. Il n'y a pas d'influence. Tout ce qu'on a dit, c'est que quand tu dis dans une même phrase, dans un même groupe, avec un même néder, tu interdis les figues et les raisins. La Mishnah maintenant va s'intéresser à me trouver la limite la plus précise. Pour le moment, je vous ai pris l'exemple qu'elle s'est interdit les raisins et aussi elle s'est interdit les figues. Et pas qu'elle s'est interdit les figues et les raisins. Qu'est-ce qui se passe si elle a dit dans une même phrase, mais comment elle a dit ? Amra konam te'enim she'enito emet va'anavim she'enito emet. Elle a dit, ce sera un korban, les raisins que je vais goûter et les figues que je vais goûter. Alors regardez, faites attention cette fois-ci, elle a répété deux fois le mot que je vais goûter, donc elle s'est interdit deux actions. Mais elle a mis le mot konam, le mot que ce sera interdit comme un korban, elle l'a mis en facteur sur les deux. Mais du fait, alors la Mishnah vient de me dire, dans ce cas-là, arelo shnel darim s'est considéré comme deux entités. Comme deux nedarim, c'est une grande marque dans le chasse. Rabbi Shimon et Rachamim. Quand, à partir de quand, on considère que, dans l'occasion de voir plus ça, quand on arrivera dans la Sechet Kiddushin, il y aura la Mishnah concrètement, où Rabbi Shimon et Rachamim, ils en parlaient. Ça revient à plusieurs fois dans le chasse, ça réapparaît cette marque-là. À partir de quand, on considère que tu mets une chose, tu mets une expression en facteur, est-ce qu'on considère qu'il y a ici deux éléments, ou c'est un élément qui est englobé par le même facteur? Là, la Mishnah, elle a dit comme ça. Tu dis le mot konam, sur un korban, mais tu dis ensuite anavim shenitoem ve'tenim shenitoemet. Puisqu'elle a répété le mot shenitoemet, shenitoemet, c'est considéré comme deux, même si tout est englobé dans un même mot konam qu'elle a dit au début. À la différence du cas de la Mishnah, elle a dit konam te'enim v'anavim shenitoemet. Ok, c'est clair? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.